Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux Amérindiens, notamment aux Amérindiens de Guyane. La Guyane se situe dans le bassin amazonien, l'Amazonie s'étend elle-même sur 7 millions de kilomètres carrés, ce qui constitue 8 fois la Guyane française. Il y a 13 000 ans, le bassin amazonien comptait de nombreux chasseurs-cueilleurs, mais on peut dénoter un réel peuplement que environ 1000 ans avant notre ère. La Guyane, quant à elle, fait 84 000 km² et elle est recouverte à 9 dixièmes de la sylve amazonienne. Au total, la Guyane ne représente que 6% d'une entité géographique et géologique beaucoup plus grande, avec notamment les terres hautes et les terres basses. Les traces archéologiques ont montré qu'avant l'arrivée des Européens, la Guyane était peuplée de manière continue. Dès le paléolithique indien, vous allez avoir des chasseurs-cueilleurs nomades qui vont subsister notamment grâce à la pêche. Les premiers Amérindiens attestés par traces archéologiques le sont vers 5000 avant notre ère. L'arrivée des hommes en Guyane est antérieure à cette datation. Vous avez environ 500 sites précolombiens qui ont été retrouvés. On parle ici d'habitats funéraires, de polissoirs ou encore de roches gravées. Vous avez 6 ethnies amérindiennes, les Kaliniens, qui sont installés aujourd'hui entre Cayenne et Saint-Laurent, les Palicours, qui eux sont plus sur le littoral du côté de Saint-Georges, les Arawaks, qui sont du côté de Saint-Laurent et de la Roura, les Wayana, qui sont sur le Haut-Maroni, notamment sur la Loua, les Wasapi, qui sont sur le Haut-Oyapok, Kamopi, notamment Troisso, et les Teko, qui se situent sur la rivière Tampoc et sur le Moyen-Oyapok. Les Amérindiens pratiquent l'agriculture, notamment l'agriculture sur brûlis. Ils se nourrissent de manioc, notamment présenté sous forme de galette cuite sur une plaque de céramique. Le manioc, c'est vraiment une plante importante qui peut aussi fournir de la bière de manioc qu'on nomme le kachiri. Cette bière accompagne notamment les Amérindiens lors des différentes fêtes. En plus du manioc, vous avez aussi le poisson qui est la plus grande part de protéines. Il peut être cuisiné boucané, grillé ou encore bouilli. Pour la pêche, on peut parler de l'utilisation de canne à pêche, mais aussi d'arc avec des flèches spéciales. A noter que la forêt fournit à manger et elle représente un univers habituel pour les Amérindiens, encore maintenant, mais aussi avant l'arrivée des Européens. Au niveau de l'artisanat et de l'art, on peut noter qu'il existe le polissage. C'est une technique pour utiliser et pour aiguiser les outils, notamment la hache en pierre polie. La technique la plus répandue, même en Afrique, qui est la technique de colombinage, est une technique de poterie utilisée par les Amérindiens. On va rajouter de nombreux motifs à la poterie qu'on va créer. Ces poteries sont effectuées avec de l'argile qui peut être collectée dans les berges, mais aussi dans les fleuves. L'art rupestre, quant à lui, se fait sur un support minéral. On peut parler des différentes techniques qui ont été utilisées, que ce soit l'incision, le piquetage, le bouchardage, le raclage ou encore l'égrisage. Ces différentes techniques ont laissé de nombreuses traces et de nombreuses sources dans une grande partie de la Guyane française. D'un point de vue historique, on peut noter qu'en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Il décide d'explorer le continent. Malheureusement, le contact avec les Européens entraîne de nombreuses épidémies infectieuses inconnues en Amérique. L'épidémie de variole, de typhus ou de grippe. Ça tue, on estime encore aujourd'hui, 50 à 60% de la population autochtone. Élément important, Amerigo Vespucci est la personne qui a décrété que Christophe Colomb n'était pas arrivé en Inde, mais sur un nouveau continent. On a donc décrété que le nom de ce nouveau continent serait l'Amérique, en référence à Amerigo. Un des premiers explorateurs de la Guyane se nomme Vicenta Gomez Pinzon. C'est le premier qu'il explorera réellement vers 1500. Hans Staden, quant à lui, est prisonnier d'une tribu anthropophage au Brésil. Il réussira à s'échapper. Il finit par écrire un livre nommé « Nu, féroce et anthropophage ». Ce texte est considéré comme l'un des textes fondateurs de l'ethnographie américaine. Il a énormément marqué les esprits, ayant connu un vif succès en Europe. Hormis les dates importantes et des personnages importants, vous avez aussi une essor de la cartographie. Belin, par exemple, en 1721, effectue une carte de Cayenne et de la Guyane française dans son ensemble. François-Simon Mantel, au XVIIIe siècle, est un ingénieur et géographe français. Sous la direction de Cassini, il va faire la carte de France connue de tous. Et en 1763, il se rend en Guyane, mais va échouer à la colonisation de Kourou. Il va quand même se charger de l'organisation de la voirie à Cayenne. Je peux encore citer Pierre-Victor Malouet, qui était intendant de Cayenne et mènera de nombreux travaux, notamment pour organiser la future métropole. Vous avez aussi Joseph-Charles Dessigny, qui est un ingénieur géographe du roi. Il sera auteur de nombreuses cartes du littoral et de l'intérieur de la Guyane. Deux personnes ont réellement marqué aussi la Guyane. Il s'agit du médecin de la marine Crevaux, qui a passé 6 années à explorer à pied ou à pirogue environ 12 000 km.
Il va dresser une carte du bassin de l'Amazonie. Il est cartographe, zoologue, botaniste, chimiste. Et à chaque retour en Europe, eh bien, il apporte de nouvelles découvertes. Enfin, on peut parler de Coudreau, qui était un prof d'histoire géo qui partit explorer la Guyane et les affluents de l'Amazonie. Entre 1887 et 1889, il va au Maroni, à l'Oyapock et au Tupoumac. Puis, entre 1889 et 1891, il visite la Guyane française, notamment Linini, Camopi et La Prouague. La Guyane, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment un endroit qui a été découvert, qui était assez étendu, qui fait partie d'un ensemble et qui a été exploré au fil des siècles, et même encore aujourd'hui, il y a certains endroits qu'on ne connaît pas encore parfaitement. Voilà, je vous remercie, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, les informations que je vous ai données ici, elles ne seront pas mieux données qu'au musée de l'archéologie amérindienne qui se situe à Kourou. Je vous conseille d'aller les voir, vraiment. La visite est vraiment sympathique. Vous avez des panneaux qui vous expliquent un peu tout. Il y a certaines images que j'ai pu reprendre de ces panneaux. Vous avez aussi, bien sûr, un travail qui a été fait sur les roches qui sont laissées. Vous avez aussi des polissoirs qui sont représentés. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller, vous avez des petites légendes, vous avez énormément de choses. Si vous avez 5 minutes et que vous passez à Kourou, c'est vraiment une adresse à ne pas louper. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Si vous avez des informations ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et puis même ça permettra aussi de nous renseigner aussi les uns les autres. C'est une culture et aussi c'est une histoire qui est assez méconnue, qui est assez complexe. Si vous avez des ouvrages à conseiller, pareil, mettez-les dans les commentaires. Moi, je vous ai mis une petite vidéo quand même, histoire de vous laisser avec quelque chose. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Malicus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.